Putain, il fait bon. Il faisait quoi? Que du beau temps. Il n'y avait pas grand. Je me suis levé en chantant avec une odeur de Tarzan. Il y avait tout. Pour réussir une bonne journée, des lapins, des toutous, de l'animation de quartier, bien sûr, c'était l'été, enfin la journée, les nuages étaient loin collés, on aurait même dit du papier léger comme des plaques de carton, un paysage lunaire est fait tout en papier crépon, et pourtant, j'ai pris le temps de contempler tout, de me sentir abandonné, et de m'éparpiller partout, et de voir que tout ici me semblait positif, avant de jeter un œil de l'autre côté du périph', j'ai pris mon scout, direction Paname, j'étais sur la route, sur le macadam, quand j'ai décidé tranquillement de m'arrêter. C'est à ce moment-là que cette jeune fille est passée. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Elle était belle comme le jour, comme une princesse, c'est moi le vautour autour de ma tour qui tournait sans cesse. Je voulais juste essayer, tranquillement de lui parler. Je voulais juste essayer, assurément de m'incruster. Bonjour mademoiselle, voulez-vous boire un verre? Avec un mec tranquille et sans manière, histoire de sortir de l'ordinaire. S'il te plaît cousine, je la ferai pas à l'envers. Elle m'a dit comment, mais pourquoi tu te prends? T'es pas un peu fou, t'es sûrement un vieux délinquant, t'es sûrement de la France dans le fou. Je lui dis quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Parle-moi autrement. Elle m'a dit ok c'est bon mon gars, mais s'il te plaît va-t'en. Je lui dis non, je suis un ouf moi, un véritable déglingo. Un jour j'ai vendu à des mecs qui ne savaient pas défaut la stocko. Elle m'a dit ok c'est bon mais maintenant mon mec est là. Et je me suis retourné, c'est là que j'ai vu la stockma. S'il te plaît cousin, on va pas s'énerver. En plus c'est une belle journée, et c'est à 23 mois qu'a commencé. C'est là que j'ai vu son poing sur ma tête venir vite s'écraser. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Encore. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Quel souvenir de ces patates, enfin de cette pêche, cette sauce à la tomate sur ma chemise qui n'était pas fraîche. J'avais la tête juste un peu plus grosse que mon casque, et mon nez pouvait onduler comme une vague du Pays Basque. J'avais quoi? Deux dents en moins, la face enfoncée. J'ai dit ok cousin désolé mais là je dois y aller. Il m'a dit ok casse-toi de là sinon je te repète la tête. Donc arrivé à 100 mètres je fais bouffon toute la peine. Je suis rentré dans mon quartier un peu dégoûté. J'ai dit à tous mes potes que je m'étais tapé avec des skins énervés pour l'honneur de tous les miens et de ma cité. Ils m'ont fait c'est quoi cousin? Respect. Je suis rentré tranquillement dans ma banlieue, où les gens sont super et heureux, où le ciel est pratiquement bleu. Enfin c'est ce que disent aussi certains journaleux, mais c'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Encore. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Encore. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. Encore. C'était juste une belle journée, un moment particulier, quelque chose de doux et léger que je ne voudrais pas oublier. C'était juste